métier. Bon, il faut aimer, hein. Il n'y a pas que l'été, hein. Il n'y a pas que les beaux jours. On pêche toute l'année. Bon, il y a juste 2, 3 semaines en janvier où je vais pas au lac. Histoire qu'il n'y a rien à prendre à cette période. Et puis, il faut bien entretenir le bateau, les moteurs et tout. Puis prendre de temps en temps des vacances. Mais autrement, c'est toute l'année qu'on est sur le lac. Alors, je suis biologiste et je travaille au groupe d'études et de gestion de la Grande Carissée qui s'occupe de l'ensemble de ces rives naturelles ici entre Yverdon à l'ouest et l'autre bout du lac dans la région du Bas-Lac de Neuchâtel, la région du Fanel. 15 ans, à 15 ans, je suis parti sur le Rhin. J'ai appris matelot. Enfin, j'ai commencé comme vous. Après, j'étais matelot, barreur. Et j'ai fini en haute mer. J'ai fait de la pêche en Écosse, puis j'ai travaillé sur un bateau de poste entre l'Irlande et puis l'Écosse. On sait quand on est l'eau, quand j'ai mis la marche à l'eau, c'est pas moi-même qui bouge. Tu vois maintenant le filet comme il se déroule. Moi. Et là, il va aller jusqu'au fond comme ça. Comme il est là. Le plomb va descendre, l'épaule flotte. Tu vois. Il descend gentiment jusqu'au fond. Il est à 60 mètres. Voilà, je viens de sortir du fond de l'étang ici des algues carassées. Cette sorte d'algue a joué un rôle considérable pour les oiseaux du lac de Neuchâtel. Et elle forme des petits coussinets au bord du lac, hein, dans le fond, à des profondeurs entre 50 cm et 6 mètres de fond. Et évidemment, elles sont très faciles pour les oiseaux, c'est très facile pour eux de plonger et puis d'aller les chercher à ces faibles profondeurs. J'ai bossé 4 mois à Valor. Et puis après, ben, j'étais tout content de recommencer le lac. J'ai été voir ailleurs. J'ai été timbré. Oh, la liberté, ça n'a pas de prix. En effet, je suis biologiste, mais aussi passionné d'ornithologie. Et dans le cadre de mon travail, je m'occupe essentiellement des oiseaux. Également, j'ai d'autres tâches annexes, hein, des tâches par exemple aussi de surveillance du territoire, de vérifier que les projets qui se développent sur ces rives sont bien compatibles avec la protection de ces zones naturelles. Mais ma tâche principale, de plus en plus, c'est celle de la conservation des oiseaux. L'eau, pour moi, c'était toujours ma terre, si on veut bien. Malheureusement, je ne peux pas marcher sur l'eau. Mais tout s'est tourné toujours dans ma vie autour de l'eau. En étant gosse, la voile, la rame. Ensuite, le métier proprement dit, sur le Rhin et la mer. Et je suis parti à 24 ans en mer Rouge faire de la plongée sur une base de plongée.
Ah, ils suivent tout le temps, parce que si j'ai un poisson qui se décroche de la machine, ils le chopent. Hop. Une de mes tâches importantes au printemps, donc, c'est d'aller compter les grandes colonies d'oiseaux d'eau qui se sont créées sur des îles et des îlots, sur des plateformes qu'on a spécialement aménagées à leur intention dans plusieurs des réserves naturelles. Au fait, ce qui nous lie vraiment, c'est le sterne. C'est une mouette qui avait disparu de nos eaux, de la Suisse complètement. Et puis avec les ornithologues, on a posé des radeaux et des îlots sur nos lacs. Et puis le sterne est nouveau arrivé. Lorsqu'il s'agit des sternes Pierre Garin, elles se nourrissent essentiellement d'alevins de poissons, et je dirais la concurrence avec la pêche est relativement modeste. Quand par contre il s'agit du grand cormoran, ici il s'agit d'un piscivore qui chasse un groupe et dont les colonies peuvent être importantes. Au Fanel, on a maintenant une colonie qui compte près de 250 couples d'oiseaux, et évidemment que ces oiseaux posent un certain nombre de problèmes en relation avec la pêche, notamment la pêche professionnelle. Ah, voilà. Bon, bon, bon. Quand on fait du bétonnage, il y a du lait de ciment. Le poisson n'aime pas le lait de ciment. Enfin, il n'aime pas du tout parce qu'il en crève. Alors on doit prendre toutes les précautions pour éviter que quand on fait du bétonnage sous l'eau, qu'il y a du lait de ciment qui coule dans l'eau. On met souvent en place des pompes pour justement lutter la contre. Du moment où je prends du poisson, puis tout va bien, et puis que j'avais un but avant, c'est de vendre tout ce que je pêche. Ben, je le fais maintenant. But atteint. Ce que je peux encore faire, c'est vendre ce que je pêche pas. Enfin, mon plus grand rêve, c'est de nouveau dans l'eau. Ça serait d'aller plonger avec les baleines, les dauphins, le grand mammifère sur ce monde qui existe encore, c'est la baleine. Et puis, comme je viens de dire, ça serait mon plus grand rêve d'aller dans la nature, sur un bateau, et de plonger avec la baleine. Je suis bien persuadé que ce travail d'ornithologue, ce suivi, cette conservation des rives du lac de Neuchâtel, elle ne va pas s'arrêter de sitôt. Il y a suffisamment de problèmes d'évolution, de cette conservation de ces espaces pour qu'il y ait toujours besoin de biologistes et de personnes qui se consacrent à assurer la préservation à long terme de ces rives. Et donc je suis bien certain que d'autres vont me succéder dans cette tâche et que cette tâche va être de longue durée. Thank you.